Bonsoir à tous, on va commencer dans quelques instants, le temps que les uns et les autres se connectent, se joignent. Il est un peu l'heure de démarrer, 17h02. Soyez tous les bienvenus. Salut à tous, bonsoir, bienvenue au French Connect. Alors voilà, c'est la reprise, c'est presque la rentrée. C'est une joie de voir la plupart d'entre vous. Je vois quelques têtes qui vont bien là, avec Victor et Marie-Laure. Marie-Laure n'est pas encore à l'hôpital en train d'accoucher. Très bien. C'est génial de vous voir. Certains d'entre nous sont partis en vacances, d'autres pas. Mais voilà, on a eu une pause avec, évidemment, pendant le mois d'août, les prières, les mercredis soirs et le parcours Panorama. Mais aujourd'hui, on reprend avec un thème qui va nous suivre pendant tout le mois de septembre. C'est ouvrir grand les portes, ouvrir grand les portes, ouvrons grand les portes. Et on va creuser aujourd'hui avec ce thème de l'espérance. Voilà, si c'est la première fois que vous venez au French Connect, soyez les bienvenus. Aussi à préciser qu'on est encore là maintenant sur Zoom, mais d'ici, j'espère, pendant 15 jours, dans 2 semaines, on sera en physique à Saint-Barnabas. Donc, ce que je vous propose, c'est simplement peut-être de nous plonger et de nous préparer à ce temps ensemble. On va rester 1 heure ensemble. Et pour cela, on va lire ensemble un psaume. C'est un psaume qui est le psaume 24. Qui se trouve dans la Bible. Il y a évidemment trois parties dans ce psaume. Vous allez voir, il y a une première partie qui proclame la grandeur de Dieu et le fait qu'il possède tout et qu'il est glorieux. Puis il y a une partie qui va nous permettre aussi de nous remettre, de nous réaligner avec le Seigneur, de nous tourner vers lui, de confesser des choses si on a besoin de confesser des choses. Et la dernière partie, justement, est très connue parce qu'il parle de ouvrir grandes les portes au roi de gloire. Donc on va prendre ce psaume ensemble. Donc peut-être on peut le lire chacun d'entre nous là où nous nous trouvons à voix haute. Alors si on peut être sur mute pour peut-être empêcher les petits problèmes. Mais tournons-nous vers le Seigneur avec ce psaume. Cette idée que le Seigneur rentre dans son temple. Son temple, ça peut être un temple bâti par des hommes, ça peut être l'univers, ça peut être la terre, ça peut être nos cœurs. Et je vais faire une pause à un moment dans ce psaume pour nous mener dans une petite prière. Alors on lit ensemble à partir du verset 1, le Seigneur possède le monde et ses richesses. Donc ensemble, le Seigneur possède le monde et ses richesses, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a planté sur les mers, il l'a fixé solidement au-dessus de l'eau. Qui peut monter sur la montagne du Seigneur? Qui va se tenir dans son temple saint? Ceux qui n'ont rien fait de mal,
et qui ont le cœur pur et qui se tournent vers, qui ne se tournent pas vers le mensonge et qui ne jurent pas pour tromper. Ils recevront la bénédiction du Seigneur et Dieu, leur Sauveur, les reconnaîtra comme justes. Voilà ceux qui cherchent vraiment le Seigneur, ceux qui cherchent le visage de Dieu. Voilà le vrai peuple de Jacob. Ce que je vous propose, c'est peut-être juste là de faire une pause, de se remémorer ces dernières semaines. On a fait une pause ensemble, voilà, simplement de se tourner vers le Seigneur et de se dire, bah, Seigneur, on a besoin de toi, Jésus, on a besoin de ton sang, de nous recouvrir, de nous couvrir de ton sang, Seigneur Jésus, de recevoir son pardon. Seigneur, on veut recevoir ta bénédiction. On veut te recevoir comme sauveur. On veut être juste à tes yeux par ton sacrifice, Jésus. On veut te demander pardon. Et on veut t'accueillir. Et ensemble, portes, ouvrez-vous largement. Ouvrez-vous, portes anciennes. Laissez entrer le roi glorieux. Qui est ce roi glorieux ? C'est le Seigneur. Il est fort et courageux. Le Seigneur est le héros des combats. Portes, ouvrez-vous largement. Ouvrez-vous, portes anciennes. Laissez entrer le roi glorieux. Qui est ce roi glorieux ? C'est le Seigneur Dieu de l'univers. C'est lui, le roi glorieux. Amen. Alors, on va chanter deux chants avec, entre les deux, une prière que Vera va mener. Mais utilisons ce psaume aussi pour introduire ce thème de ouvrons grand les portes pendant ce mois de septembre de nos cœurs, de nos bâtiments, puisqu'on va reprendre en présentiel d'ici quelques semaines à Saint-Barnabas. Mais maintenant, ouvrons grand nos cœurs par la louange. C'est comme une prière qu'on va faire maintenant. Notre louange, notre louange.
Notre Dieu, notre Père, merci pour la joie d'être ici, rassemblés en ta présence, unis par ton esprit. Merci pour le dialogue que tu établis avec nous. Nous voulons être attentifs à ta voix, participer activement à tes projets. Seigneur, nous voici devant toi dans ce temps particulier, un temps de transition, un temps où la période estivale prend fin. C'est un moment que l'on peut vivre comme un temps d'après la diaspora, un temps de retour, de réunion, de rassemblement de ton peuple après la dispersion. Et Seigneur, même si l'on est conscient qu'une saison nouvelle commence, on a encore du mal à l'identifier clairement. À l'échelle mondiale, plane encore le doute, l'incertitude quant au futur. Père Céleste, nous prions pour ton intervention. Nous voulons aujourd'hui proclamer un temps similaire aux événements décrits dans la Genèse. De la même façon que ton esprit a plané sur toute chose, dans le temps qui a précédé la création, par la foi, nous proclamons le renouvellement de cette expérience-là. Nous proclamons que ce n'est pas le doute ou une quelconque réalité menaçante qui plane au-dessus de nous, mais bien ton esprit créateur, ton esprit d'ordre, ton esprit de vie et de résurrection. Qu'il plane au-dessus de toutes nos circonstances. Seigneur, viens,
Viens par ton esprit, descends, couvre nos réalités. Proclame encore que la lumière soit. Nous savons que ce que tu proclames advient à la réalité. Seigneur, en ce temps, engendre des réalités nouvelles, des réalités bonnes pour nous, tes enfants, des réalités bonnes pour toi et pour le royaume. Sois, Seigneur, à l'initiative de l'ordre à établir dans nos corps, dans tous nos êtres, dans nos familles, dans notre paroisse, dans l'Église, dans les gouvernements des pays dont nous sommes issus. Seigneur, nous voulons t'inviter dans les rouages de nos systèmes économiques. Nous prions pour que le focus soit sur les personnes fragiles ou vulnérables. Toutes les personnes fragilisées par les soubresauts de l'actualité mondiale. Seigneur, nous te prions pour les systèmes sanitaires. Nous prions que partout les infrastructures soient capables de prendre en charge les personnes dans le besoin. Seigneur, nous prions pour la sagesse des autorités politiques. Nous prions tout particulièrement pour les États-Unis et pour le Liban. Et partout où le mépris entraîne souvent la colère d'une partie de la population. Seigneur, viens, descends par ton esprit et guéris. Guéris les âmes blessées, guéris aussi les âmes de ceux qui blessent. Seigneur, nous nous appuyons sur toi pour notre présent et notre futur. Et ensemble, nous voulons prier la prière que tu nous as enseignée. Et nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Seigneur, nous t'ouvrons nos portes, les portes de nos cœurs. Sois le bienvenu. Amen. Tu es là, tu es là.
Ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin, ô Père des Mires, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Alléluia, Jésus. Et merci parce que tu es celui qui est fidèle, Seigneur. Tu es celui qui est présent. Tu es celui qui agit, Seigneur. Seigneur, merci pour ce temps où on a pu s'adresser à toi, Seigneur, intercéder pour ce monde. On a pu se tourner vers toi, Seigneur, ensemble, collectivement, même si on est dispersés. Et merci parce que tu nous réunis par ton esprit, Seigneur. Loué sois-tu, Jésus. Amen. Amen. Un grand merci à l'équipe de louanges qui a déjà repris place comme fin juillet dans l'église à Saint-Barnabas. Et bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints depuis le début de ce plan ensemble, du nouveau French Connect nouvelle saison. Comme je le disais, la semaine prochaine, on sera le 6 septembre de nouveau autorisé à aller dans l'église de Saint-Barnabas le matin à 10h30. Et l'après-midi, on sera quelques-uns du French Connect à faire le Zoom à partir de l'église. Et le 13 septembre, on se retrouvera en présentiel et en même temps sur Zoom pour ceux qui sont sur Zoom. Mais voilà, on continue ce temps ensemble avec la parole. On va passer un moment maintenant à lire la parole de Dieu. Et j'indiquais tout à l'heure aussi qu'on va avoir un thème qui s'appelle « Ouvrons les portes » pendant tout le mois de septembre et qui commence aujourd'hui 30 août. Et aujourd'hui, on va regarder « Ouvrons les portes à l'espérance ». Et on a choisi ce texte dans Ézéchiel 37. Je pense que espérance et espé, pour les intimes, si tu peux nous le lire, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es là? Vous m'entendez? Ouais. Super. Alors, le Seigneur m'a saisi avec puissance. Son esprit m'a emmené et je me suis trouvé dans une vallée remplie d'eau. Le Seigneur m'a fait faire le tour de l'endroit. Les eaux sont très nombreux et complètement secs.
Alors le Seigneur me demande, « Dis-moi, l'homme, est-ce que ces eaux peuvent revivre ?» Je lui réponds, « Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. » Il me dit alors, « Parle à ces eaux comme un prophète. Dis-leur, « Vous qui êtes secs, écoutez la parole du Seigneur. Voilà ce que le Seigneur Dieu vous dit. Je vais faire venir en vous un souffle de vie et vous vivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je vais vous couvrir de peau. Je mettrai en vous un souffle de vie et vous vivrez. Alors, vous saurez que le Seigneur, c'est moi. Je dis ces paroles de la part du Seigneur, comme il me l'a commandé. Pendant que je parle, j'entends un grand bruit, celui d'objets qui remuent. Les eaux se rapprochent les uns des autres. Je regarde, il y a sur eux des nerfs. De la chair pousse, la peau les couvre. Mais il n'y a pas de souffle de vie en eux. Alors, le Seigneur me dit, « Toi, qui n'es qu'un homme, parle au souffle de vie de ma part. Parle-lui ainsi. Souffle de vie, voici ce que le Seigneur Dieu te dit. Viens du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Souffle sur ces morts et ils vivront. Je dis ces paroles de la part du Seigneur, comme il me l'a commandé. Alors le souffle de vie entre dans les morts et ils reçoivent la vie. Ils se tiennent debout, c'est une armée immense. Ensuite le Seigneur me dit, toi l'homme, écoute. Ces eaux représentent tout le peuple d'Israël. Les Israélites disent, nous sommes comme des eaux secs, notre espoir est mort, nous sommes perdus. Eh bien, annonce-leur ces paroles de ma part. Moi, le Seigneur Dieu, je vous le dis, je vais ouvrir vos tombes et je vous en ferai sortir. Vous, mon peuple, je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Quand j'ouvrirai vos tombes, quand je vous en ferai sortir, vous, mon peuple, vous saurez que le Seigneur, c'est moi. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous installerai sur votre terre. Alors vous le saurez. C'est moi le Seigneur qui ai parlé et je fais ce que je dis. Voilà ce que le Seigneur déclare. Parole du Seigneur. Merci Espérance pour cette lecture. Et ce que je vous propose, c'est de prier ensemble avant de commencer. Père éternel, merci pour ce temps ensemble au French Connect aujourd'hui, Seigneur. Je prie pour chaque personne qui manque aujourd'hui d'espérance, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, cette espérance, Seigneur. Viens, Saint-Esprit, parle-nous. On a besoin de paroles qui viennent de toi, Seigneur, avant tout. Parle à nos cœurs, Seigneur, là où nous nous trouvons maintenant. Dans ton saint nom, Jésus, nous prions ensemble. Amen. Amen, amen. Alors, c'est une joie de tous vous revoir. Et je veux commencer ce temps ensemble. Ça va être un court message. Vraiment, j'ai pas préparé des masses, même si j'ai été inspiré et c'est bon de se retrouver. Mais je voulais commencer par ce thème d'espérance en vous posant cette question. Savez-vous ce que c'est l'aube ? Est-ce que vous avez déjà été intéressé par ce mot l'aube ou l'aurore ? Et en préparant ce message, je me suis un peu penché sur la question, donc j'ai été sur Wikipédia. Donc l'aube en anglais dawn, ça vient du mot latin alba qui veut dire blanc, blanche. Et c'est évidemment ce moment de la journée, l'aube, où le ciel commence à s'éclaircir. On l'appelle aussi le petit matin ou le point du jour, de manière un peu plus poétique. Et l'aurore, c'est le moment précis où le soleil passe l'horizon, d'accord ? Et où on voit après donc le lever du soleil. Et j'ai découvert, en faisant cette petite recherche sur Wikipédia, qu'on divise l'aube en trois petites périodes. Ça va assez vite, parce qu'évidemment, le soleil continue sa course, hein, il ne s'arrête jamais. Mais il y a d'abord l'aube astronomique, qui dépend d'un certain degré, et où les étoiles commencent à disparaître, puisque c'était la nuit, il y avait des étoiles, s'il fait temps clair, mais l'aube astronomique est en train d'arriver et les étoiles commencent à disparaître, évidemment, avec la luminosité du soleil. Il y a une deuxième phase qu'on appelle l'aube nautique, où on commence à voir de la lumière, on commence à distinguer certaines choses. Et enfin, il y a l'aube dite civile, en français en tout cas, où on peut voir les réverbères, par exemple, s'éteindre parce qu'il y a assez de luminosité, et ensuite l'aurore, et ensuite le lever du soleil. Alors,
Pour ceux qui ont eu la chance de partir en vacances, peut-être certains d'entre vous, si vous êtes levés très tôt en juillet ou en août, vous avez pu profiter de lever de soleil et de l'aube. Et c'est quelque chose de très beau. J'avais mis ici, là, sur l'écran, et je vais essayer de le remettre tout de suite, un beau lever de soleil. Alors, je vais share screen, qui a été pris dans une ville, dans un lac, le lac Sevan en Arménie, avec cette église au premier plan, une église qui a été construite, une autre au deuxième plan si vous la voyez, au 8e siècle, au 9e siècle, donc très très ancienne. Et voilà, c'est le moment de l'aurore, donc en l'occurrence du lever de soleil. C'est pas tout à fait l'aube, effectivement, mais peut-être qu'il y a des images comme ça qui vous reviennent à l'esprit, d'aube ou de lever de soleil. Et pourquoi je parle de ça? Parce que effectivement, l'aube, ça se trouve être une belle illustration, je pense, à l'espérance. L'espérance d'un jour nouveau, l'espérance de quelque chose de nouveau, d'une aube nouvelle. Et l'espérance, c'est, d'après la définition communément de la langue française, c'est un sentiment de confiance en l'avenir qui est une attente confiante de quelque chose, dans la réalisation de quelque chose. Donc il y a cette notion de confiance, cette notion d'assurance, cette notion de certitude, de conviction dans l'espérance. Et donc, il est certain que le soleil va se lever tous les matins. D'accord ? Donc, cette illustration, l'illustration du soleil levant, de l'aube, c'est quelque chose qui est très puissant, qui a été utilisé par les chrétiens, les théologiens, les pères de l'Église depuis l'aube du christianisme, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, tout comme le soleil va se lever, c'est une certitude, eh bien, un monde nouveau a commencé à se lever en Jésus, dans sa vie, dans sa mort, dans son incarnation, sa vie et sa mort et sa résurrection. Jésus, donc, dans les Écritures, il est comparé au soleil de justice, à l'étoile du matin aussi dans l'Apocalypse. Et il y a quelque chose de nouveau qui se lève. Mais de la même manière qu'il y a trois phases dans l'aube, comme je les ai décrites, l'aube astronomique, où on ne voit pas encore grand-chose, on voit juste des étoiles s'éteindre, l'aube nautique, où on voit là la lumière commencer à apparaître, blanche, et puis l'aube civile, où vraiment on peut commencer à circuler sans se prendre les pieds dans le tapis. Et bien, de la même manière, je pense que depuis la venue de Jésus, on assiste à ça. On assiste à cette aube grandissante, cette lumière qui grandit, cette espérance sûre et certaine qu'un jour, le soleil de justice sera à son zénith, sera à son midi. Mais pour l'instant, on se prend encore les pieds dans les meubles, dans les trébuches. On voit dans la pénombre, alors je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, une insomnie, de vous lever très tôt. En ce moment, c'est 5h, 6h du matin. Vous êtes peut-être dans votre cuisine, vous préparez un café, un thé, et c'est l'aube, et on ne voit pas encore très bien, vous n'avez pas allumé la lumière, et les choses sont encore dans la pénombre. Et c'est la grande perspective de ce qui se passe depuis la venue de Jésus. Voilà, on est dans une aube, un nouveau jour a commencé, le royaume a commencé, mais il y a encore des ténèbres, il n'a pas encore le soleil, il ne s'est pas encore levé, tout à fait. D'où toutes ces situations difficiles par lesquelles on passe, ces souffrances. Je parlais tout à l'heure, on peut se prendre les pieds dans le tapis si on se déplace avant le lever du soleil. Et on vit nous-mêmes actuellement des changements massifs, peut-être individuels, peut-être collectifs. On passe par la souffrance, la maladie, la dépression. On passe peut-être par un manque de travail ou des perspectives futures professionnelles compliquées ou familiales. Dostoïevski disait « Vivre sans espoir, c'est cesser de vivre ». Il y a vraiment une corrélation entre espérance et vie, entre ce soleil qui se lève et qui va éclairer toute vie, les plantes, les animaux, la chlorophylle, tout ce que vous voulez. Mais l'espérance, c'est cette vertu chrétienne, elle est vraiment liée à la foi, on va le voir, et à l'amour. Paul les met toutes les trois ensemble, évidemment, pour ceux qui connaissent dans 1 Corinthiens 13. Mais elle a un aspect donc spirituel, l'espérance. Alors, la souffrance, j'en ai parlé un petit peu, elle fait encore partie de cette vie. On a encore eu de terribles nouvelles cette semaine au sein de la communauté de Saint-Barnabas, puisque c'est public et il faut prier pour eux. Mais Shelley, qui est l'épouse de H, le pasteur associé Saint-Barnabas, est touchée par un cancer. Qui semble être incurable aux yeux médicaux actuellement. Donc voilà, une terrible nouvelle.
une souffrance dans cette vie, une souffrance pour la vie de communauté, pour nous tous. Et notre foi chrétienne, elle ne nous immunise pas, effectivement, mais elle va nous permettre, dans l'espérance, de traverser ces souffrances et de traverser même la mort, aux côtés de Dieu, aux côtés de Jésus. Et Paul, il le décrit très bien, et je veux vous montrer sur le slide cela en Romains 5. Et dans Romains 5, il explique, c'est un très beau texte, mais il explique ce ça. Alors, j'ai juste réduit parce que, mais on pourrait relire à partir du verset 1. Mais il dit ceci, « Nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. » Et dans un autre moment, alors là, je fais une pause avant de lire le verset 3, il dit aussi dans la lettre aux Colossiens, « Christ en moi, l'espérance de gloire. » C'est un verset que moi, j'affectionne particulièrement, « Christ en moi, esprit de Christ en moi, Saint-Esprit en moi, espérance de gloire. » Et je continue au verset 3. « Bien plus, nous sommes fiers de, même de nos détresses, de nos souffrances, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Alors, on voit qu'il y a une réaction en chaîne, si vous voulez. Vous avez vu ça dans ce verset, c'est Romains 5, vous pouvez le retrouver si vous voulez. Mais il y a une certaine réaction en chaîne. Il y a la souffrance, parce qu'on est encore dans cette aube, il y a encore des ténèbres, on n'est pas encore dans l'éclatant soleil du midi. Il y a cette souffrance qui provoque cette persévérance, cette patience, cette victoire dans l'épreuve et qui produit l'espérance. Et cette aube nouvelle dont j'ai parlé tout à l'heure, un monde renouvelé dans la présence éternelle de Dieu, où les souffrances seront terminées, où la mort sera vaincue, où toute larme aura disparu, où les dépressions, les cancers, la pauvreté, l'injustice, les abus en tout genre, les vies brisées, les vies cassées, les relations terminées, eh bien tout ça sera fini. Pour l'instant, on ne l'est pas encore. Christ en nous, par contre, par l'Esprit Saint, l'espérance de gloire. Et on sait qu'il y a une patience à avoir. On voit dans la Bible, si vous connaissez un peu la Bible, mais vous pouvez retrouver plein de personnages de la Bible comme Ruth ou comme Abraham et Sarah, beaucoup de personnages de la Bible ont attendu, ont patienté. Et il y a vraiment dans cette réaction en chaîne de la persévérance, de mettre sa foi en Dieu, de recevoir cette patience et de grandir dans cette espérance. C'est vrai aussi dans les personnages en dehors de la Bible. On peut penser à Nelson Mandela, par exemple, qui a été emprisonné 27 années, ou d'autres encore. Donc, l'attente, la patience est dans ce process. Et la question aujourd'hui pour nous, c'est où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on a besoin de cette espérance, d'être renouvelé dans cette espérance restaurée? Alors, dans le texte que Espérance, justement, nous a lu, La vallée des eaux desséchées d'Ézéchiel 37, c'est un texte qui est assez connu. Ézéchiel, c'est un prophète, et il parle à un moment où tout le peuple Israël a été déporté à Babylone. D'accord ? Le temple de Dieu à Jérusalem a été détruit. Le peuple a été déporté, les prêtres, les élites intellectuelles, économiques, tous sont partis et il n'y a plus rien. D'accord ? C'est une captivité, c'est un esclavage à Babylone qui est actuellement dans l'Irak moderne. Donc ça a été vraiment une bataille terrible. Et donc, Ézéchiel, il parle au nom de Dieu. Il reçoit des visions, des prophéties. Et jusqu'au chapitre 35, dans ce livre qu'on trouve dans la Bible, il voit, effectivement, il explique à son peuple pourquoi est-ce que ces choses-là se sont passées. Et à partir du chapitre 36, il commence à y avoir une espérance qui pointe. Et donc là, on voit dans ce chapitre 37 que le prophète est amené en vision par Dieu devant une vallée desséchée. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le roi Lion, mais à un moment dans le roi Lion, il y a cette vision d'un cimetière d'éléphants. Je ne sais pas si certains ont vu ce film. Alors, attendez, où est-ce que j'ai ça là? J'avais fait une petite... c'est une petite comparaison, mais j'ai l'impression que Ézéchiel, il voit dans sa vision comme un cimetière, mais immense, une vallée des eaux desséchées.
et qui représente le peuple d'Israël. D'ailleurs, on le lit au verset 2, je pense. Le Seigneur me fait faire le tour de l'endroit, les eaux sont très nombreux et complètement secs. Alors le Seigneur me demande, dis-moi l'homme, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Je lui réponds, Seigneur Dieu, c'est toi qui sais. Est-ce que c'est possible d'avoir de l'espoir dans cette situation? Pour le peuple Israël, c'était un désespoir total, hein, je l'ai dit, économique, politique, sociologique. Et pour nous aujourd'hui, la question c'est quoi? Est-ce qu'on est dans une catastrophe globale? Oui. La pandémie, elle est là, elle n'est pas encore partie. Crise sociale, on l'a aussi d'autres causes, comme on l'a vu ces derniers mois sur les tensions diverses et variées, crise politique certainement, crise économique à venir. Voilà, je ne veux pas être là que pour donner des mauvaises nouvelles, mais nous aussi, il semble qu'il y a un manque d'espoir ces prochains mois. Où est-ce que nous nous sentons aussi individuellement? Où est-ce que nous nous positionnons personnellement? Est-ce qu'on se sent desséché aussi, comme dans cette, ou peut-être prisonnier, ou peut-être anéanti même, peut-être par ces mauvaises nouvelles, ce manque de visibilité dans le futur? Et faut-il désespérer? C'est la question. Verset 11 du texte que Espérance a lu, le Dieu d'Israël, ce Dieu qui est le nôtre, dit « Toi, homme, écoute, ces eaux représentent tout le peuple d'Israël. Les Israélites disent « Nous sommes comme des eaux secs, notre espoir est mort, nous sommes perdus. » Autour de vous, je ne sais pas si vous en voyez, des personnes qui sont dans le désespoir, mais oui, on en voit. Et c'est peut-être nous-mêmes qui sommes dans cette position, état dépressif, ou grande fatigue, ou peu de goût à la vie, désespoir. Mais ça peut-être pas nous-mêmes, hein. Peut-être qu'on nous, on a cette espérance déjà ancrée en nous, mais peut-être autour de nous. Et qu'est-ce qui va mener à une transformation de ces eaux? C'est très simple, hein. Mon sujet aujourd'hui est très simple. Il y a deux choses. Il y a une parole qui vient du Seigneur et il y a le souffle de Dieu, son Esprit Saint. On le voit dans le texte qu'on a lu, hein. Pour nous aujourd'hui, c'est la même chose. On a besoin d'une parole du Seigneur. Si on manque d'espérance aujourd'hui, si on est dans le désespoir, on a besoin que le Seigneur nous parle. Et comment le Seigneur nous parle? C'est très, 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 très simple. Il nous parle par sa parole, qui est la Bible. Il nous parle par des amis chrétiens qui vont partager avec nous une parole qui vient de la Bible. Parfois, une parole prophétique, hein, une parole de connaissance. Là, à plusieurs, on peut voir si ça vient du Seigneur. Une parole prophétique du Seigneur vient toujours exhorter, encourager une personne. Et donc, on a besoin d'une parole du Seigneur. Aujourd'hui, si vous êtes dans cette situation-là, on a besoin d'une parole du Seigneur. Donc, n'hésitez pas à ouvrir la Bible, à lire la Bible. Mais non pas juste comme un livre qu'on lirait comme un roman, mais vraiment quelque chose qu'on peut méditer. On peut s'attendre à ce que Dieu, par son esprit, à travers la parole de Dieu, la Bible, il nous parle. Et la deuxième chose, si vous avez lu dans le texte, on voit qu'à un moment, il y a un souffle du Dieu vivant, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Et Ézéchiel, on lui demande, Dieu lui demande de souffler sur ces eaux. Ils ont repris vie avec la parole qu'il a donnée, mais après le souffle donne la vie. Et la même chose, on a besoin de ce souffle de vie qui est Dieu lui-même. Christ en moi, espérance de gloire. Christ en moi, c'est l'Esprit Saint en moi. Et vous savez, pour recevoir l'Esprit Saint, c'est très très simple aussi. Je suis des fois, j'ai ces conversations et c'est normal parce que je suis pasteur avec des personnes diverses et variées qui me disent « j'ai pas reçu l'Esprit Saint » ou « je sais pas comment faire pour recevoir l'Esprit Saint » ou « j'ose pas », etc. Mais en même temps, dans ma vie, c'est compliqué, je vois pas où aller, etc. Les choses, elles sont là, elles sont écrites pour nous aujourd'hui. Ouvrons nos cœurs à l'espérance, ça veut dire ouvrir nos cœurs à l'Esprit Saint. On l'a lu dans Romains 5, cette espérance est déversée en nous par l'Esprit Saint qui nous donne l'amour de Dieu. Et donc, ça me rappelle une histoire qui est dans la Bible. Alors, ça n'a rien à voir, mais là je pense à ça maintenant. C'est cette idée de, vous vous souvenez pour certains, Élisée, qui était un prophète en Israël, un grand prophète qui opérait des miracles. À une époque, il y a une personne qui vient de Syrie, qui s'appelle Naaman, qui était un général syrien, qui était couvert de lèpre. Alors évidemment, la lèpre à l'époque de l'Ancien Testament, c'était une maladie incurable, mais il a une esclave à son service, une jeune fille, qui lui dit bah, « Là-bas en Israël, il y a un prophète qui est capable de te guérir au nom du Dieu vivant, le Dieu d'Israël, Yahweh. »
Et donc, du coup, il y va. Et Élisée ne daigne même pas sortir du lieu où il vit, où il habite, où il médite. Mais il dit simplement au serviteur de ce grand général syrien, « Va te baigner 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. » Et le général syrien est tellement... il avait pris des cadeaux, il voulait le... Il est tellement un peu, comment dire, orgueilleux peut-être, qui se met en colère et qui veut repartir à Damas. Mais là, son serviteur lui dit, mais si le prophète t'avait demandé de faire quelque chose de difficile, extraordinaire, tu l'aurais fait pour être guéri. Mais là, il te demande quelque chose de simple, tu ne le fais pas, mais tu le prends sur toi-même et tu veux repartir. Et cette petite comparaison, c'est simplement pour dire peut-être que parfois, dans nos vies, le Seigneur, il nous demande des choses très, très simples. Très, très simples. Il nous demande d'ouvrir nos cœurs. Il nous demande d'être vulnérable, de prier avec quelqu'un d'autre, de recevoir son pardon, de confesser, de créer une triplette de prières, d'aller chercher sa bénédiction, de recevoir son amour. Et l'Esprit Saint, voilà, une parole qui vient de Dieu, où l'Esprit Saint, Dieu veut les donner. Elles sont là. Et c'est très simple à avoir. Il faut les saisir. Et pour avoir cette volonté-là, je dirais qu'il faut s'ouvrir. Et ce qui est compliqué en ce moment, effectivement, c'est vrai qu'on est les uns et les autres dispersés, mais j'ai cette espérance qu'en ce mois de septembre, pour ceux en tout cas qui sont à Londres, on va pouvoir se réunir, se voir, prier les uns pour les autres et vraiment apporter ce désespoir pour ceux qui en ont, à la lumière du Seigneur. Voilà, donc excusez-moi pour cette petite digression, mais c'était simplement pour dire, dans ce texte d'Ézéchiel, 2 choses. Une parole qui vient de Dieu et le souffle de Dieu, l'Esprit Saint. Je pense que c'est vraiment tous à notre accès. On peut tous recevoir ces 2 trésors. L'espérance, donc, cette aube nouvelle. Alors, en septembre, pour terminer, on va ouvrir les portes de nos cœurs à cette espérance, à sa parole, à son esprit, à son amour, à cette foi. Et on va le faire de différentes manières. On va se connecter avec Dieu. Souvenez, il y a 1 an, on avait ce thème connecté à Dieu, connecté aux autres et connecté à soi-même. Aimer Dieu de tout son cœur, aimer les autres, son prochain comme soi-même. Cette année, on recommence la rentrée de septembre avec ce thème de l'espérance. On va d'abord, et de ouvrir nos portes, ouvrir nos cœurs, on va d'abord ouvrir à Dieu. Donc ce soir, on commence par cette espérance, recevoir l'Esprit Saint. Et après, on va s'ouvrir aux autres. C'est à partir de la mi-septembre, on va voir aussi comment on peut s'ouvrir aux familles, aux enfants. Et puis après, s'ouvrir à soi-même. Effectivement, ça va aller de pair. Voilà, je voulais juste terminer par ce verset que je vais aussi vous mettre à l'écran. Et qui est toujours dans Romains. Paul parle beaucoup de ce thème de l'espérance. Il est encore tellement magnifique qu'il faudrait encore creuser beaucoup de temps, mais on n'a pas vraiment le temps aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, Romains 5 et Romains 15. Mais Romains 5 et Romains 15, pour finir sur 2 versets, ils sont pour nous aujourd'hui, pour ceux qui ont besoin du Seigneur, ou pour peut-être nous être des ambassadeurs pour d'autres. Or, cette espérance, l'espérance qu'il y a une aube nouvelle, quand Jésus, dans sa résurrection, tout va changer, ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et un petit peu plus loin dans cette tête, Paul dit que Dieu, qui donne l'espérance, vous remplisse de paix et de joie à cause de votre foi. On voit le lien entre foi et espérance. Alors vous serez plein d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Voilà mes amis, ouvrons nos portes à l'espérance de Dieu qui est dans l'Esprit Saint. Ce que je vous propose maintenant, c'est peut-être simplement de chanter. Et avant qu'on chante, je vais vous mener dans une petite chanson et dans une petite prière. Alors attendez, je fais ça. Père éternel, merci parce que tu es le Dieu de toute espérance, Seigneur. Merci parce que ton espérance, celle d'un monde nouveau, d'une aube nouvelle, d'une lumière qui se lève, elle est sûre et certaine, Seigneur, telle que le soleil se lève tous les matins. C'est une ancre dans nos âmes. Seigneur, je te prie que chacun d'entre nous, nous puissions être soit des ambassadeurs de cette espérance et ouvrir toujours plus notre cœur à cette espérance, à ton Esprit Saint, à ta parole,
ou soit si nous avons besoin de toi, Seigneur, nous puissions nous ouvrir à toi. Viens, Saint-Esprit. Merci, Jésus, pour ce que tu as permis que nous vivions cette espérance. Dans ton saint nom, Jésus. Amen. Chantons ensemble. J'étais brisé, vidé sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Infini de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois. Avec cette chanson qu'on va chanter maintenant, on peut ouvrir nos cœurs, on peut ouvrir nos mains, on peut
demander à l'Esprit Saint de venir dans nos vies tout à nouveau, pour la première fois peut-être, ou pour la énième fois, Christ en moi, espoir de gloire. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ en moi, espérance de gloire. Et voilà, on veut prier cette chant maintenant, ensemble, parce que c'est aussi notre prière pour le French Connect, pour Saint Barnabas, pour l'Église de Jésus-Christ. Voilà, prions ensemble cette chanson et après on aura un temps d'annonce et on se séparera par une bénédiction. Mais continuons à recevoir du Seigneur. Je suis sûr que le Seigneur est à l'œuvre par son Esprit Saint, par sa parole. L'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Et nous voulons être un peuple embrasé. L'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud. Souffle de l'Ouest, Esprit de Dieu.
souffle des quatre vents, descend sur nous. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que Éternel, merci parce que ton règne vient, Seigneur. Merci parce que ton royaume vient, Seigneur. Merci parce qu'il est certain, c'est une aube nouvelle, Seigneur. C'est un nouveau jour, une nouvelle création, Seigneur. Merci parce que tu as commencé ça en Jésus. Merci parce que tu le continues dans ton Église, Seigneur, et par ton Esprit Saint, par ta parole. Seigneur, donne-nous d'être persévérants, Seigneur. Donne-nous d'être patients dans l'affliction, dans les souffrances. Donne-nous, Seigneur, d'être victorieux dans les épreuves. Seigneur, déverse ton amour dans nos cœurs par ton esprit. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes cette espérance, Seigneur. Merci pour ce temps aujourd'hui. Seigneur, on prie pour Shelley, Seigneur, bien évidemment, Seigneur, et pour H et pour sa famille. On prie pour Marie-Laure, Seigneur. On prie aussi pour Bertilde et Paloma, Seigneur. On prie pour toutes celles et tous ceux qui sont encore en congé ou qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, qui font partie du French Connect, Seigneur. Déverse ton espérance, Seigneur. Merci parce qu'on peut faire confiance en tes promesses, Seigneur. On peut avoir foi, Seigneur, en tes promesses, Seigneur. Merci pour la foi, l'espérance et l'amour. Amen. Amen. Mes chers amis, ce que je vous propose, c'est de remercier le groupe de louanges qui fait vraiment un travail formidable aujourd'hui. Et ce que je vous propose, c'est de continuer avec quelques annonces du French Connect. Alors, vous avez vu probablement qu'on a un nouveau logo, French Connect News. Alors, vous vous souvenez, l'ancien logo, c'était simplement un cercle blanc avec French Connect écrit dedans. Et là, maintenant, on a quelque chose de nouveau, donc une multiplication de logos. C'est magnifique, avec 6 couleurs qui vont être les mêmes que Saint-Barnabas aussi. On a un code couleur et une typographie qui est commune maintenant aussi avec Saint-Barnabas, qui a un nouveau logo aussi. Et donc, voilà, c'est une porte stylisé, gothique, et c'est une vague. Alors, dans 2 semaines, le 13 septembre, on va regarder un autre livre, un autre chapitre dans Ézéchiel, Ézéchiel 47, on va regarder le fleuve d'eau vive. Et donc, c'est cette porte de Saint-Barnabas et ce fleuve d'eau vive qui sort pour bénir le monde. Voilà, donc on aime ou on n'aime pas, on va s'habituer, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas éternel. Dans 2-3 ans, on changera de logo. Mais moi, j'aime beaucoup et je pense qu'on s'habitue pas mal à ce logo, cette porte et cette bénédiction, ce fleuve d'eau vive qui sort du cœur de Dieu et qui veut bénir les Français de l'ombre. Donc, voilà quelques exemples que ça peut donner. Un jour, peut-être, on se retrouvera autour d'une raclette dans quelques mois, ou une galette, ou enfin des crêpes. Voilà pour le nouveau logo du French Connect. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y a besoin ou si vous avez des idées, n'hésitez pas. Alors, comme je disais tout à l'heure, ces prochaines semaines, on reste en ligne. Il n'y a pas de problème. Pour ceux qui sont connectés de France aujourd'hui, vous pourrez toujours vous connecter au French Connect. Alors, la semaine prochaine, on reprend le matin à Saint-Barnabas en anglais. Il faut s'inscrire pour ça sur le site de Saint-Barnabas et ça va être génial. Et à 17h, nous, on ira aussi dans l'église. Par exemple, moi, j'y serai. Alors là, j'avoue que je suis en quarantaine, donc je ne peux pas sortir de chez moi. Mais la semaine prochaine, on fera le Zoom à partir de l'église, mais pas de présentiel, pas de public. Et à partir du 13 septembre, on reprendra effectivement le French Connect à 17h en présentiel et toujours sur Zoom. On fera ça comme ça, on aura les deux. Alors, autre annonce, évidemment, n'hésitez pas à continuer à donner votre offrande à l'église de Saint-Barnabas, au French Connect, parce que voilà, l'église, elle vit de dons, elle n'a aucune subvention, hein, c'est des dons qu'on peut continuer à le ministère qu'on a. Cette prière cette semaine, il y a les prières le mardi matin
et le jeudi matin maintenant. Donc pour ceux qui veulent, une demi-heure juste le mardi matin et jeudi, c'est un petit peu plus long. Il y a deux sessions le jeudi. Donc si vous voulez vous connecter à 8h, jusqu'à 8h30, c'est possible avant d'aller au travail par exemple, et 8h30, 9h15 ou 9h30. La Bénédiction France, 400 000 vues. Et demain, on sera le 31 août, c'était il y a trois mois déjà. Priez pour la suite de la Bénédiction France. On va essayer de faire un chant, un carol service pour Noël et ça va être tout à fait splendide. Voilà, alors Parcours Panorama, j'en ai parlé tout à l'heure, il continue. C'est vraiment un parcours de la Bible. Là, le 9 septembre, on continue avec Isabelle, tu es là, peut-être tu veux dire un mot? Oui. Si venez nombreux, venez même si vous n'avez pas fait les séances précédentes, tous sont les bienvenus. On regarde une petite vidéo et après on fait une petite étude biblique à dos de ça. Et nous allons voir donc le 9 septembre le royaume partiel. Alors ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un ami à toi, tu es basée à Oxford, Isabelle, pour ceux qui ne savent pas, mais tu as cet ami qui est prof de théologie, qui est prof d'Ancien Testament dans un séminaire anglican à côté d'Oxford. J'arrive pas à prononcer son prénom parce que c'est gallois. Oui. Donc c'est How. C'est écrit H-Y-W-E-L. mais il est super, il est francophile, francophone. Et il prend un peu de son temps pour venir, donc pas tout le temps parce qu'il ne peut pas malheureusement, mais il est clair d'un aspect plus recherche théologique, etc. Mais c'est accessible à tout le monde. C'est vraiment un super parcours. Merci Isabelle pour ça. Ça continue. Alpha, on va continuer. On va reprendre Alpha le jeudi 8 octobre. Donc voilà, pensez à inviter peut-être des amis. Ça sera en ligne, ça sera sur Zoom. Ce sera 1h30. On regardera la vidéo. Et Alpha, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'opportunité de découvrir la foi chrétienne, de poser des questions, de réfléchir aux questions basiques, qui est Jésus, pourquoi Jésus est-il mort à la croix, etc. etc. Je pense que c'est tout au niveau des annonces. Et il ne me reste plus qu'à vous faire partager une bénédiction finale. Pour ceux qui veulent rester après, tout de suite après, on va se mettre en petite cellule, on va pouvoir prier les uns pour les autres. Donc n'hésitez pas à rester. Mais ce que je vous propose, c'est ensemble de relire ce magnifique texte dans Romains 15, verset 13, qui est une bénédiction finalement que Paul nous adresse et que je veux vous adresser à vous. Que Dieu, qui donne l'espérance, vous remplisse de paix et de joie à cause de votre foi. Alors vous serez plein d'espérance par la puissance de l'Esprit-Saint. Romains 15, 13. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et l'Esprit-Saint, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. Soyez dans la joie. C'est l'occasion de rester maintenant, les amis. Hein. Franchement, n'hésitons pas à rester pour se donner quelques nouvelles parce qu'il y a eu quand même les vacances. Et sinon, on se retrouve pour la prière cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt. Alors. Ça sonnait bien aujourd'hui, petit truc acoustique. Ça va, ça marche, maman? Allô, David, maman, ça marche? Allô, ça marche ou pas? Ça va la shoot? Je t'entends pas. Ah, ça marche? T'as le micro off, on ne peut pas t'entendre. Moi, je t'entends pas. Bon, je vais de l'autre côté, je te dis à plus tard. Hey Jean-Luc. Hello. Le groupe, là. Ouais, ça fait plaisir de vous voir. Bon, il y a le groupe de louanges. Et merci les louangeurs, là. C'est top. Ça a bien fonctionné, Gilbert, Vera, Timmy et Julien. Ah oui, allô? Ça a bien fonctionné. Oui, allô.
The groupe est très grand. Ça va, vous avez passé des bonnes vacances? Je suis, enfin, c'était de retour. Yes. Peut-être juste, Isabelle, bonne nouvelle, parce que toi, tu as souvent prié avec les enfants aussi. Pour mes parents, là, le déménagement va se faire, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Espérance, merci pour cette lecture. Voilà. Ouais, Stéphanie, il faut qu'on fasse un déjeuner bientôt. Cécile, bah, écoute, j'espère que ça va. Est-ce que, Isabelle, est-ce que tu veux mener un peu ce temps-là? Je peux te laisser mener, je vais aller dans le bureau. Ouais. Ouais, hier, tout ça, machin, classique. Ok, bah écoutez. On a une petite dizaine de minutes. Pas le tout.